Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue depuis Annecy en ce mercredi 22 décembre. Aujourd'hui, nous sommes en direct un petit peu spécialement, donc en cette fin de journée pour vous faire vivre justement un très très beau défilé ce soir dans la place du village. On va justement vous faire vivre donc le défilé des agriculteurs donc de Haute-Savoie qui vont donc défiler. Ils sont un petit peu pris dans les bouchons donc du côté donc de l'avenue d'Albini donc à Annecy, mais ne vous inquiétez pas, peut-être vous les entendez un tout petit peu justement donc arriver. On voit un petit peu donc clignoter donc un peu plus loin. Il y a pas mal de bouchons actuellement donc sur Annecy. Nous sommes pas très loin donc du lac d'Annecy et de Bonlieu. On les entend déjà klaxonner actuellement. Pour donc ce direct, restez avec nous, vous allez voir ce très beau défilé. Donc je vous rappelle des agriculteurs de Haute-Savoie qu'on va vous faire vivre donc dans quelques instants. C'est un petit cadeau pour ces fêtes de fin d'année, donc de la part de ces agriculteurs qu'on salue, que nous sommes très heureux de les retrouver très régulièrement dans la place du village. Et voilà, on voit un petit peu arriver les tracteurs tout décorés avec les décorations de Noël. Vous allez voir dans quelques instants, vous êtes très nombreux à nous suivre actuellement. Donc en ce mercredi, il y a pas mal de circulation. Alors, ils n'ont pas le droit de s'arrêter. Donc vous allez voir le défilé. Alors, hormis ici, on a la chance d'avoir le feu rouge qui se met en route. Donc en cette fin de journée, d'avoir un petit peu les bouchons pour pouvoir que le défilé se déroule donc dans les meilleures conditions. Voilà, on voit les tracteurs arriver petit à petit. Ça bouchonne pas mal sur Annecy ce soir, hein. Voilà, c'est un petit peu l'heure de pointe, hein, en cette fin de journée. Voilà, on entend les klaxons avec la musique. Voilà, donc la circulation va être un petit peu interrompue. On voit justement les officiers juste ici. Voilà, c'est normal, hein. C'est pour pouvoir que les tracteurs donc circulent. Voilà. Alors, ils sont un paquet, hein, je vous le dis. Ils préparent ça depuis pas mal de semaines, justement, pour vous offrir ce bon moment avec ce convoi exceptionnel, le convoi agricole. Voilà, on voit sur les images, on voit un petit peu les voitures qui circulent quand même, toujours. Et voilà, donc avec la police, hein, qui est là pour faire donc la circulation. Restez avec nous. On vous laisse admirer ce bon moment. Voilà les agriculteurs. Alors, ils sont là, les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie. Voilà, et avec ce bon moment qu'on voulait vous faire partager ce soir, regardez, avec ces très beaux décors des agriculteurs. Regardez, c'est magnifique. Un petit cadeau, hein, depuis Annecy. Voilà, regardez comme c'est beau. Et un beau cadeau de la part des agriculteurs de Haute-Savoie. Ah ouais, hein, beaucoup de travail ont été organisés par les jeunes agriculteurs donc de Haute-Savoie. Voilà, regardez, vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir dans ce direct de la place du village. Voilà, et un petit coucou, voilà. Regardez le beau travail fait par nos jeunes agriculteurs de la Haute-Savoie. Ils ralentissent pour nous en plus. Voilà. Voilà, regardez. Très bon moment ici en direct depuis Annecy. Regardez le beau travail de nos jeunes agriculteurs de Haute-Savoie aujourd'hui. Regardez, c'est magnifique, hein, avec le dernier tracteur qui est juste là. Voilà, donc ils ont donc passé devant Bonlieu aujourd'hui. Voilà, on a eu de la chance d'avoir les bouchons. Alors, ils vont poursuivre, bien entendu, leur trajet.
leur trajet, qui vont donc continuer leur défilé, hein. Ils vont passer devant la mairie d'Annecy. Alors les bouchons, ben ouais, ça fait un petit peu ralentir, donc c'est bien pour pouvoir admirer ces chars. Voilà, donc on est en plein milieu de la circulation pour vous faire ce direct en cette journée de ce mercredi 22 décembre. Voilà, donc c'était le petit cadeau justement que voulaient faire les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie et les qui sont donc organisé tout ça avec ce très beau décor de ces tracteurs et de ces chars. Voilà. On va vous laisser sur ces images. Merci à vous tous de nous avoir suivis très très nombreux en cette journée. On vous souhaite de passer une excellente soirée à vous tous avec la place du village. Et on vous souhaite bien entendu de passer de très bonnes fêtes à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.